Ne reste pas planté là, va les chercher. Les garçons n'ont aucune chance de gagner s'ils se battent maintenant. Il faut essayer de gagner du temps. Ne me dis pas qu'il a peur de moi. Pas du tout, mais on n'est pas prêt, sois gentil. Donne-nous encore 24 heures. Mais au fait, j'y pense. Tu nous as menacé de détruire toute vie humaine si on ne venait pas au rendez-vous. Il reste encore des millions de terriens en vie. Pourquoi tu n'irais pas jouer avec eux en attendant? Ça te distrairait. Quoi? Tu as perdu la tête? Désolé. Mais on pourra toujours ressusciter tout le monde avec les boules de cristal quand tout sera terminé. Mais il s'en va! Il m'a pris au mot. Il cherche à évaluer le nombre de terriens restants. Il ne va quand même pas retourner là-bas et éliminer tout le monde. Ce serait de la folie. Il fait les 100 pas maintenant, vous avez vu? Il se croit où, cet imbécile? Au cirque? Krilin, va réveiller les petits et emmène-les dans la salle d'entraînement spéciale. Dis-leur de se mettre au travail. Il ne viendra pas les déranger là-bas. Je vais essayer de détourner son attention pendant quelques heures. Mais et pourquoi ne pas les faire fusionner immédiatement? Parce qu'il est beaucoup trop fort. Les garçons ne sont pas à la hauteur. Il faut absolument qu'il s'entraîne pour acquérir plus de puissance. Si le combat avait lieu maintenant, il n'aurait aucune chance de le gagner. Je compte sur toi pour tout leur expliquer. S'ils ne veulent pas aller faire un petit tour dans le royaume des morts, ils ont intérêt à s'appliquer à travailler dur. Tant pis s'ils sont fatigués. J'y vais. Ça suffit, restez tranquille, il va se fâcher. Sois raisonnable. Vous allez voir ce que vous allez voir. Non, attends. Et toi là-bas? Oh, elle est folle. Regarde-moi, je te parle. Ma chérie, tu n'as rien. Il est encore trop petit pour se battre.